Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'intuition et de faire confiance à son intuition. Alors, il y a une fleur de Bac pour ça. Et voilà, il y a des fleurs qui vont vous aider aussi ou qui vont nous aider, puisque je m'inclus dedans, évidemment, à peut-être garder le cap. Vous savez que quand on est dans cette forme de doute, Bac nous dit que cette fleur-là, je vais vous la montrer, elle nous parle de cette connaissance qu'on a déjà, cette espèce de dialogue intérieur où on est déjà dans la sécurité, dans la certitude, dans la connaissance. Voilà, on est totalement dans cette faculté de se dire que c'est exactement ce que nous devons faire ou ce que nous devons voilà, acter, agir, dire, voilà, encore une fois, je ne vous donne pas d'exemple précis, mais vous savez, c'est ces moments qu'on remet en cause et qu'on remet en doute. Et donc, cette fleur, elle appartient à la famille, justement, de l'incertitude, évidemment, puisque au départ, on est tout à fait certain, on est vraiment calé sur le « c'est ok, c'est ça ». Et quand on dit « c'est ok, c'est ça », c'est souvent relié, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, au ressenti corporel. Je trouve que dans ces moments-là, quand on se reconnecte à soi-même, alors soi-même, ça peut être, voilà, on parle de guide intérieur, de sagesse intérieure, ça peut être notre âme, ça peut être le dialogue qu'on va, la communication qu'on va entretenir avec soi. Eh bien, quand on est tout à fait certain, on est tout à fait certain. En fait, il y a un truc qui est complètement inébranlable et qui nous met dans cette posture de, il n'y a pas de place à justement quelque chose qui pourrait faillir en fait, hein. C'est inébranlable et c'est comme ça, voilà. Seulement par moment, alors les fleurs de Bac, vous savez qu'elles sont là pour rééquilibrer les émotions, donc ça veut dire que si on a ça, on a des fois aussi l'inverse, et voilà. Et l'inverse n'est pas forcément diamétralement opposé, mais des fois on appelle ça un déséquilibre, et le déséquilibre, ça va justement, le doute va s'immiscer. Et dans le doute, après, va décliner plusieurs émotions, évidemment, parce que des fois, on ne reste pas que sur celle-ci. Donc, celle-ci, je vous parle de Cérato. Cérato, c'est vraiment la fleur de « je sais, mais je remets en cause ». Finalement, j'ai un doute, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout le cas. Et je vais demander, solliciter mon entourage, l'avis de mes proches, ce que les autres pensent. Voilà, on n'est pas tout à fait certain, donc on a le sentiment que les personnes extérieures à nous-mêmes, donc bah, les autres évidemment, en général on est tout seul avec soi, quoique, là ça nous, voilà, on va aller demander aux autres ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que tu ferais à ma place, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu crois que, tout ça c'est du Cérato. Et du coup quand on est déconnecté à soi, hein, c'est vraiment le propre de Cérato, elle nous propose de nous reconnecter à notre communication intérieure. Et encore une fois, dans cette communication-là, il y a cette forme de stabilité, de sécurité qui nous dit c'est ok, c'est bon. Et quand ça bascule, là on va demander aux autres. Et du coup, quand ça bascule et quand on va demander aux autres, des fois, bah justement, c'est à ce moment-là où d'autres émotions aussi peuvent survenir. Alors le doute, ça c'est certain, sinon on n'irait pas demander aux autres. Et du coup, on ne fait plus du tout confiance à soi, à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a capté, à ce qu'on a ressenti, justement, encore une fois, sur le corps. On ressent cette forme de quiétude, de sérénité, de tranquillité, de certitude, voilà, du non négociable, de ce qui doit se produire, de ce qui doit être fait, de la façon d'agir, d'acter quelque chose, voilà, ça peut être un achat, ça peut être une phrase à dire, peu importe, enfin voilà, une attitude, voilà. Bref, vous voyez, on est vraiment connecté à ça et on est vraiment en paix, on est tranquille et on agit et c'est bon. Et on écoute notre intuition, on se fait confiance et on fait confiance aussi à ce qu'on a perçu, capté aussi sur le plan corporel. Et dans ces moments de transition, justement, où ça se déséquilibre, eh ben, il peut y avoir des peurs qui vont s'immiscer. Et quand on est dans la confiance, on n'est pas dans la peur, évidemment. Donc la peur derrière, bah, ça peut être, alors c'est pas forcément je prends Cérato, donc je vais prendre Humulus. Ce sont des propositions, encore une fois, vous savez qu'il n'y a pas de règle absolue, chacun va réagir de façon différente. Mais quand je vous dis que quand on est connecté, on a tous fait cette expérience de cette certitude vraiment chevillée au corps. Alors on va parler aussi des fois de petites voix intérieures avec Cérato. Et des fois, la petite voix intérieure, elle nous dit « c'est ok ». Et quand c'est plus ok, et bah, la petite voix, elle nous dit « mais t'es sûre ?» Et du coup, voilà ce qui pourrait risquer de se passer, etc. Et donc là, ça peut être aussi de la culpabilité, de se dire « voilà,
je me suis pas fait confiance après, donc voilà, tu aurais dû t'écouter. Bon, alors, bien sûr, il y a du temps entre j'ai pris ces râteaux et Pine après, la culpabilité, mais ça peut aussi décliner sur une forme aussi de reproche qu'on se fait à soi-même de ne pas prendre assez, d'être pas suffisamment attentif aussi à cette perception qu'on a eue déjà initialement. Et puis voilà, et puis ben, des fois c'est le cercle vicieux de la rumination mentale aussi qui va se mettre en branle parce que, ben, parce que toutes ces peurs voilà, ben, qui peuvent ressurgir aussi suite au fait de ne pas s'écouter, eh bien tout ça peut faire un espèce de trio ou un quatuor, j'en sais rien, avec la culpabilité qui peut aussi s'immiscer, voyez. Donc voilà, je vous propose quatre fleurs. Voyez ce qu'il en découle. Peut-être que ce sera encore autre chose chez vous, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça peut être même carrément la terreur, hein, au lieu de la peur. Et le fait de se dire, bah non, je vais pas écouter mon intuition. Et du coup, bah, il y a la terreur qui émerge, parce que justement, on n'est plus non plus en phase avec soi-même. Être en phase avec soi-même, être en paix avec soi-même, c'est aussi retrouver cette certitude que nous avons nos propres réponses. Et quand des fois on dévie de ça, justement, de cette certitude-là, de cette connaissance, de ce savoir que nous avons de façon intrinsèque, innée, alors d'où ça vient, bah, chacun ira mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Hein. Voilà, ça peut être une forme j'allais dire je sais pas si on peut dire de la prescience, du savoir. Mettez les mots que vous voulez, hein, ça n'a vraiment pas d'importance. En tout cas, essayez de prendre du temps peut-être après cette vidéo pour vous dire, ok, à quel moment dans ma vie ça m'est arrivé d'être vraiment une certitude, et justement peut-être que les autres ont dit, ah mais non, gna gna gna, et ça m'a fait douter. Et ben, du coup voilà, c'est pas forcément Cerato, ça peut être une autre fleur, hein, ça peut être Walnut. Alors je l'ai pas sorti, mais Walnut c'est la fleur où justement on est des fois très influencé par l'extérieur, et du coup ça remet en cause aussi ce que l'on pensait. Vous voyez que ça peut être deux fleurs qui peuvent parler de cette forme de vulnérabilité. Et donc voilà, je la retrouve pas évidemment, mais c'est pas très grave, tant pis, on peut en parler sans la montrer aussi peut-être. Oui, non, là voilà. Voilà Walnut. Et puis ça, bah, c'est justement, bah, là c'est moi qui étais de solliciter les autres. Et du coup, c'est un peu, je me suis, comment dire, j'ai prêté le bâton pour me faire battre, parce que finalement, chacun aura son avis bien, bien défini sur le sujet et qui ne sera pas mon sujet personnel. Donc voilà, reconnectons à notre certitude personnelle, et donc bah, les peurs n'auront plus leur place, parce que dans les doutes, il peut bien sûr y avoir des peurs. Et le monde est quand même beaucoup régi par les peurs, n'est-ce pas? Parce que si on se trompe, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et puis, bah, des fois, la culpabilité, le fait de se faire voilà, de s'en vouloir, d'avoir plutôt demandé aux autres et de ne pas s'être fait confiance aussi. Et tout ce qui va aller avec, voilà, toute cette agitation mental qui est autour du, tu vois, je te l'avais bien dit, oui, mais non, mais on ne sait jamais, bah, peut-être que les autres, etc., etc. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion sur la sagesse que nous avons en nous et dont on ne prête pas des fois suffisamment attention, alors que souvent on a des signes corporels qui nous disent, ok, regarde, quand tu te reconnectes à ça, tu es une forme de, voilà, de foi aussi, en soi. Ok, tu as pensé ça, c'est ça. Voilà, il n'y a pas à le remettre en cause. Et puis, ben, voilà, on fait des expériences dans la vie. Donc, si on se trompe, ben, c'est OK. On n'est pas non plus obligé de se flageller derrière. Hein, et c'est expérimental. Donc, des fois, ça nous met aussi des petits garde-fous pour nous dire, OK, est-ce que tu écoutes ci, est-ce que tu écoutes ça? Et puis, des fois, ça revalide en nous. Ah, ben, tu vois, voilà, tu peux pas te faire confiance parce que tu vois que tu es nul. Donc, ça, on va parler de l'arche, etc. Et donc, ben, qu'est-ce que je me raconte aussi comme scénario à l'intérieur aussi? Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire confiance et me dire, ok, c'est ça que je pense, ou c'est ça que je dois faire, et donc j'y vais? Est-ce que je vais toujours demander aux autres pour revalider quelque chose aussi qui est en moi, qui n'est pas tout à fait stable aussi et sécurisant? Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bon, on a toute une vie, hein, n'est-ce pas, pour découvrir la façon dont on fonctionne. Mais vous savez que les fleurs de Bac, elles nous accompagnent aussi sur cette façon aussi de décoder un peu nos mécanismes internes. Et c'est vachement intéressant de, des fois, de poser juste une fleur, même si on ne les prend pas, de te dire, ah tiens, le mécanisme, c'est quelque chose que je connais bien, ça, dans cette non-écoute de qui nous sommes, de cette partie de nous-mêmes qui communiquons avec nous. Alors, c'est notre cerveau et notre âme, c'est notre cerveau et notre petite voix intérieure, notre guide intérieur, ce que vous voulez.
la source des anges, des guides, des maîtres, j'en sais rien, peu importe. Voilà, on a le droit aussi d'écouter, de se faire confiance à partir du moment où on a des réponses vraiment corporelles qui sont très stables et très apaisées, très sécurisantes. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Et sinon, ben voilà, si ça déstabilise, Serato est là pour ça. Bonne journée, bon dimanche et à la semaine prochaine.